Ambre Weber dans un sketch de Kev Adams. Vous passez le casting nouveau James Bond. Si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que effectivement, je vais passer le casting du nouveau James Bond. Mais avant le casting, je me suis un peu préparée. Hein. J'ai vu un film américain avec James Bond. Et dedans, James Bond, il disait à son pote, « Tu sais, mon pote, il faut que tu vives chaque jour comme si c'était le dernier. » Là, je me dis « Waouh, mais c'est ça !» La journée d'après, je me suis dit « Cette journée, je vais la vivre comme si c'était la dernière. » Je me rappelle, c'était un mardi. Je me suis levée, j'ai déchiré mes copies doubles, j'ai dit merde à ma mère, j'ai volé la voiture de mon père, je roulais à 200 à l'heure sur l'autoroute, j'ai fait un doigt d'honneur à un flic. J'ai dépensé tout l'argent que j'ai mis de côté pour mes 12 ans et j'ai largué ma copine. C'est trop cool. Bon, le problème, ça a été mercredi. Hein. Là, je me suis dit, Kev, si tu veux vraiment être le prochain James Bond, tu pourrais peut-être commencer par parler anglais. Et je voulais parler anglais, vraiment. Mais est-ce que vous avez vu comment on nous fait apprendre l'anglais en France? On nous fait apprendre les verbes irréguliers d'anglais, quoi. Schling, schlang, schlang, schlung, schlung, schlung. Vous connaissez ces trucs-là? Non mais en plus je suis sûre que je vais pour être James Bond quoi, 007 c'était mes notes au bac donc, enfin tu vois. Et après j'ai été au casting et ils m'ont dit, comment feriez-vous pour rentrer dans l'ambassade russe? Je leur ai dit, pour rentrer dans l'ambassade russe, ben le truc c'est que moi je galère déjà un peu pour rentrer en boîte donc je sais pas trop en fait. Et après ils m'ont demandé, et pour l'émission à l'étranger? Je leur ai dit, bah pour ça aucun problème, faut juste que je demande à ma mère.